الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم. أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظائفي بإخلاص وعلى الوجه الأكمل، وأن أزاولها مع مراعاة احترام الدستور وقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وأن أسعى على مصلحة الشعب الموريتاني، وأن أحافظ على استقلال البلاد وسيادتها، وعلى وحدة الوطن وحوزته الترابية. وأقسم بالله العلي العظيم ألا أتخذ أو أدعم بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي مبادرة من شأنها أن تؤدي إلى إجراء مراجعة الأحكام الدستورية المتعلقة بمدة مأمورية رئيس الجمهورية وشروط تجديدها الواردة في المادتين 26 و 28 من هذا الدستور. J'ai deux lectures. Une lecture personnelle, permettez-moi de commencer par celle-là. C'est l'émotion de voir Mohamed Abdelaziz terminer deux mandats. Pardon, c'est un sentiment personnel, rempli de beaucoup de choses à la fois. Ma deuxième lecture, c'est de voir, mais c'est aussi une joie et une satisfaction, de voir Mohamed Al-Ghazouani lui succéder. Et en même temps, pardon, moi qui ai un prisme africain mais absolu, je suis tellement content que mon pays rentre dans le cercle des États africains qui se démocratise, qui ancre, cultive, développe l'esprit démocratique. C'est un processus très long, la démocratie. On ne l'acquiert pas tout de suite. Vous avez raison, on est passé par des coups d'État, de l'instabilité, des situations même parfois quasi insurrectionnelles. Nous n'avons pas oublié la tentative de coup d'État de 2003. Et voilà que nous vivons aujourd'hui un moment où finalement, le gros problème qui se pose au continent africain se réalise aussi chez nous, la transmission pacifique du pouvoir. Et quel pouvoir? L'arbitre de cette élection n'est même pas candidat. Et donc, notre pays rentre, mais voyez-vous, pour moi, il est déjà rentré depuis une dizaine d'années, dans une culture démocratique de plus en plus forte, de plus en plus développée. Et cette joie, vous ne pouvez pas vous imaginer l'émotion qui est la mienne, de la vivre, de la sentir, et mieux, de la sentir à moi. C'est extraordinaire.